Oui. Comment est-ce que je peux dire ça? Quand je me sens contrainte de devoir faire quelque chose, j'ai pas envie. Ça me gonfle. Ah, ça, j'avais remarqué. ça va. Ok, première question qui me vient, c'est en quoi est-ce que c'est un problème? Elle est où, là? Parce que si c'est... Vas-y, reste... Je vais répondre. Ah, bah oui. Plus près. En fait, ça génère parfois de la déception chez l'autre. Déception? Ouais, oui, parce que je ne suis pas enthousiaste ou parce que je ronchonne un peu. Ou... Tu ronchonnes un peu? Oui, un peu. Ok. Et tu pourrais donner un exemple précis? Oui, je peux donner un exemple précis. Par exemple, là, on prévoit nos... C'est facile, hein? Ça, c'est une question bateau en PNL. Hein. Tu pourrais donner un exemple précis, hein. Oui. On prévoit nos week-ends de snowboard l'été. Et voilà, on est obligé de réserver en station parce qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Et puis arrive l'hiver. En fait, je me trouve contrainte de faire ces week-ends. Et puis, au moment donné, j'ai peut-être pas forcément envie. J'ai peut-être envie de faire autre chose, ou pas y aller. Ou... Et c'est aussi le fait de me sentir obligée de le faire, parce que je sais qu'on a réservé 6 mois à l'avance. C'est cette contrainte-là qui me plombe. Ok, donc je voudrais que quand je t'ai demandé un exemple précis, tu pourrais me dire quand, la dernière fois, tu as ressenti ça? Bah, l'hiver dernier, on avait réservé un week-end à Rideralpes début mars, et puis moi, je le savais déjà depuis le mois d'octobre. Et puis, je n'arrivais pas à partager l'enthousiasme de mon compagnon d'y aller, de faire du snowboard, parce que voilà, la semaine d'avant, j'avais d'autres choses dans la tête. Et puis, je me sentais obligée d'être contente avec ça. Et je ne partageais pas cet tu état d'être. Tu te sentais obligée d'être oui. contente. Oui. C'est extraordinaire, cette phrase. Ça ne m'empêche pas de vivre. Donc, ouais. Mais... Non, je comprends que ça ne t'empêche pas de vivre, mais... et je pourrais savoir par qui tu te sentais obligée? Bah là, par mon compagnon, en l'occurrence. Bigre, il te l'a dit? Bah oui, parce que j'étais pas très jouasse le jour même. J'ai un peu fait la gueule dans la voiture. Ok. Et donc, du coup, quel est le problème? Mais ça a généré un conflit. Où lui ne s'est pas senti reconnu dans ce qu'il avait organisé pour moi. Et puis... moi, je ne me suis pas sentie reconnue dans ce sentiment de contrainte. Donc, je me sentais obligée d'être contente. Et qu'est-ce qui t'a empêché de dire « j'ai pas du tout envie d'y aller » c'est pour ça. Question de loyauté, de respect. Elle est pas mal, celle-là. D'accord. Croyance. Ah ouais. Oui. D'accord. T'étais pas en capacité? Non, pas à ce moment-là. De dire, tu sais, mais j'ai pas du tout envie d'y aller. Ouais. Sérieux? Oui, parce que je sais ce qui se joue chez lui. Bigre, les lectures de pensée, oui, bon, c'est bien organisé. Hein. C'est une croyance aussi. Oui, c'est mon compagnon. Oui. D'accord. Et donc, tu voudrais que je... T'aides en quoi? Quelque part, c'est une manière de lui demander qu'est-ce qu'elle veut à la place. Hein? Qu'est-ce que je veux à la place? J'hésite entre deux choses. Oui, je comprends. Parce que moi aussi, j'hésite entre deux trucs. J'hésite entre avoir la capacité d'être validée dans mon sentiment de contrainte et dans ma non-envie d'y aller sur le moment, et entre pouvoir lâcher prise sur ce sentiment de contrainte et de me dire, bon, moi, je me réjouis. Voilà, tout simplement. Ok. Et tu aimerais bosser plutôt sur quoi? Ou plutôt, qu'est-ce que tu as le plus besoin de travailler? Je pense que fondamentalement, de lâcher prise sur ce sentiment de contrainte, parce que c'est pas que là. C'est un peu récurrent pour d'autres choses aussi. Ok. J'aime pas les contraintes. D'accord. C'est drôle, je pensais que tu dirais le premier.
Non, mais j'aime bien. J'aime bien. Donc, du coup, ce que tu voudrais, c'est... Tu vas à une journée de snowboard au mois de mars, qui a été réservée au mois d'octobre. Ouais. Et au moment du départ, tu n'as pas envie d'y aller. Exactement. Et à ce moment-là, ce que tu veux, tu n'es pas demandeuse de pouvoir l'affirmer, le dire. Tu es demandeuse de pouvoir... T'as pas envie, mais il faudrait que tu fasses une espèce de pirouette pour dire après tout, je lâche prise et puis je verrai bien, ça peut peut-être être sympa. Un truc un peu comme ça ? Oui. Oui. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça quand même. Je pense que c'est un peu plus complexe. Vas-y, développe. Donc quand je vous dis qu'elle amène le bordel, là, vous voyez que c'est ça. Hein, c'est un conteneur. On sait pas, hein, je sais toujours pas. Je ne sais pas toujours si c'est là. Voilà, là, j'en suis là. Hein. J'en suis à essayer de savoir quel carré on va prendre comme thème de travail. Ensemble, on va le prendre. Hein. Ça va ? Bon. Alors, on avance. Donc, la question, c'était qu'est-ce que ça révèle d'autre hein, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière hein. C'était ça, ta question ? Non, c'est toi qui as dit, je pense que c'est plus complexe. Oui. Eh ben, oui. Ce n'était pas une question, c'est toi qui as fait. Ben, vas-y. Oui. Si tu penses que c'est plus complexe, dis qu'est-ce que c'est qui est en jeu. Parce que plus tu dis ce qui est en jeu, plus on va pouvoir travailler au bon niveau. Il y a quelque chose de la notion de contrôle aussi, de la maîtrise. Très bien. Alors, on parle de contrainte. OK ? Et on parle de contrôle. C'est ça ? OK ? Tu peux m'en dire un peu plus sur le contrôle ? Je pense que quand, sur le moment donné, je n'ai pas le choix, c'est que je perds le contrôle de ma vie ou de mon pouvoir de décision. Alors c'est trop énorme. Ça, je vais le cloner. Je ne suis pas en train de faire le décodage, là, mais je ne vais pas cloner au niveau de la micro-stratégie, je vais cloner là où elle vient de me sortir un truc, parce que c'est quand même énorme. Tu vas me le répéter, parce que ça, c'est tellement impressionnant. C'est que quand je me sens contrainte dans quelque chose, j'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle sur ma vie, de ne plus avoir le choix, donc de ne plus maîtriser en fait. D'accord. À tout à l'heure. Quand j'ai l'impression qu'on me contraint, c'est comme si je ne contrôlais plus. OK. Vous pouvez vous amuser à cloner, si vous voulez. Vous, qu'est-ce qui vous viendrait si vous faisiez ça ? Donc là, je vais essayer de prendre le même style, le même feutre que tout à l'heure. Oh oui. Très fréquent. Les gens, vous arrêtez de parler, vous leur dites, attendez, vous leur expliquez ce que vous faites, que vous allez aller dans leur bassine à eux, et du coup, eux, ils vont dans la leur, et quelquefois, c'est eux qui le sortent. Donc profite, vas-y, fais ton truc. J'ai pas énormément de trucs qui me sont venus. J'ai un truc qui m'est venu, je le note et je vais donner parce que je le note. Voilà, je le note ici, comme ça vous verrez que c'est écrit. Je vais d'abord voir ce qu'elle a. C'est la relation entre la contrainte et le contrôle. Non, moi j'ai juste essayé de Quelle situation, t'as cloné une situation ? Ouais, il y a quelque chose qui m'est venu, mais je veux d'abord voir ce qu'elle est là. Pourquoi je veux lui donner priorité ? Parce que ce qu'elle amène. Si moi, je lui amène ça, elle risque de se sentir contrainte. Je me méfie de la cocotte. Hein. Et oui, elle amène quelque chose. Il faut que je fasse gaffe qu'elle n'amène pas ça dans la relation. Donc, il faut qu'elle perçoive vraiment que si je fais quelque chose avec elle, je ne cherche pas la contrainte de quoi que ce soit. Donc, je donne priorité à elle. Si elle n'a rien de spécial, je dirai après ce qui m'est venu. Oui, vas-y. Moi, ça me ramène au devoir familial, plus particulièrement paternel. OK. Et qu'est-ce que j'ai marqué, moi, ici ? Devoir scolaire. C'est pas énorme, ça ? J'ai
J'avais les devoirs scolaires faits par mon père. J'aurais dû le marquer en entier, parce que là, ça aurait été encore plus. Une espèce de on me donne des, on m'ordonne de faire des devoirs. Et ok, on est bien sur la même. Ça va? Vous voyez comment ça se joue? C'est super, hein, il n'y a rien de. C'est juste que c'est une sensibilité, on s'ouvre à essayer de voir qu'est-ce que c'est qui peut venir. Donc quand tu dis ça, c'était quoi les devoirs familiaux C'était plus d'être adéquate pour être aimée. Et pour ça, bah, y avait un certain nombre de contraintes et de critères qui n'étaient pas les miens. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, il fallait être bien coiffé, il fallait être bien habillé, il ne fallait pas changer de petit copain tous les 3 mois, il fallait faire des études, il y avait des choses qu'on faisait, d'autres qu'on ne faisait pas. En vrai, je ne me lève pas, hein. Rarement. Hein. Des fois, vraiment, quand je ne comprends pas. Non, en vrai, je le fais dans ma tête. Ouh. Je peux partager. Ce qui est venu, c'est un peu cash, hein, c'est un peu hard. Hein, donc si c'est pas bon, tu me le fous de côté et tu me dis non, ça n'a pas de rapport avec ça. Hein. ce qui m'est venu, c'est que c'est moi qui me donnais la contrainte. Et ce qui m'est venu, c'est que je me donne la contrainte de respecter ça, parce que si je ne contrains pas, je ne contrôle plus le fait de... Je ne contrôle plus... Je risque de ne pas être aimé, et si je ne suis pas aimé, ça part en vrille complètement dans ma tête. Et donc la contrainte viendrait de moi, ce qui est quand même un peu énorme par rapport à ce que tu disais. Qu'est-ce que ça donne quand je te dis ça? Voilà. Ça va? Hein? Ça t'éclate, hein? Ah voilà. Tu vas pouvoir enfin faire du toile, hein? Enfin! Mais tu vois, c'est une proposition, je ne veux rien imposer, c'est vachement important. Et je préférais qu'elle me dise non, et puis qu'elle me dise c'est pas tout à fait ça, mais. Et puis qu'elle verse. Et puis je préférais aussi qu'il y ait de l'émotion, hein, parce que là, c'est un peu intellectuel pour l'instant. Mais. Je peux concevoir que la. Micro. Le micro, s'il te plaît. Ça va. Je peux concevoir que la contrainte vienne de moi, mais c'est intellectuel. Parce que si je remonte en fait dans les événements antérieurs, je peux remonter jusqu'à l'enfance avec ça. Ah oui. Et dans l'enfance là. Et à ce moment-là, je pense que le risque de ne pas être aimé, il était trop grand. C'est ça. C'est ça, Gabriel. Le risque de ne pas être aimé, c'est la panique à bord. Eh oui. Et donc pour ça, je rentre dans quelque chose, je rentre dans le cadre, dans le moule. Oui, oui. Ok. Si on revient maintenant à ce qui se passe avec ton chum, ton homme là. Tu vois, au mois de mars, tu n'as pas envie d'y aller. Maintenant que tu prends un peu conscience de ça, qu'est-ce que tu... Ouais, je pourrais quand même prendre le risque de dire « je viens pas ». Mais peut-être pas juste la veille, peut-être quelques semaines avant. Quelques semaines avant ? Ah oui, parce que si c'est programmé 6 mois à l'avance, je ne peux pas dire ça. Ok. Ou alors, ouais, justement, c'est pas très clair. Parce que... Comment est-ce que je peux dire ça? Parce que je serais plutôt à me dire les choses, elles ont l'importance qu'on leur donne. Donc, quelle est l'importance que j'accorde à mon sentiment de contrainte en regard de la relation, de ce qui se joue. Je joue les violons, c'est ça? Voilà, et là. C'est du blabla. Ouais, ok. Ouais. Alors, on va juste
je vais faire l'avocat du diable, je vais faire un truc débile. Oui. Tu viens de mettre à jour quelque chose. On regarde qu'est-ce que ça donnerait si on le transposait directement, copier-coller par rapport à ce qui se joue. Il s'appelle Fred. Fred. Comment il s'appelle ton copain? On l'appelle Fred. C'est OK de l'appeler comme ça? Oui, tout à fait. OK. Mm-hmm. Fred, mon chéri, j'ai quelque chose à te dire. Je vois que tu es tout content, qu'on a préparé ça, je sais que tu as mis de l'énergie et tout. Est-ce que tu voudrais avoir une vraie femme à côté de toi qui te dise ce qu'elle pense, ou tu voudrais une machine, ou est-ce que tu serais contente de te dire ce que je ressens ce matin? Eh bien, tu vois, j'ai un double ressenti. Le premier ressenti, c'est que je n'ai pas du tout envie d'y aller. Et le deuxième, qui est beaucoup plus important, c'est que j'ai une trouille monstre que tu ne m'aimes pas. Mais une trouille monstre, tu ne peux même pas savoir. Qu'est-ce que ça te fait, mon chéri, quand je te dis ça? Un truc de ce style. Donc ouais. Là, j'ai fait un copier-coller bête et méchant. Ça donnerait quoi si tu avais, avec ton style, évidemment, si tu arrivais à sortir à la fois ceci et cela? Je pense que ça changerait complètement la donne. Et pour lui et pour moi. Probablement. Et je pense que pour moi, le fait de le verbaliser quelque part, ça fait tomber la contrainte, la sensation de contrainte. Incroyable ce que tu viens de dire. Et regarde ce que tu viens de sortir, c'est énorme. Redis-le. Je dis, le fait de le verbaliser ferait tomber la sensation de contrainte. Tu es en train de sortir que si je verbalise, j'ai plus de contrainte. J'ai des frissons là. Tu perçois là ce que tu es en train de faire? C'est. Il y a quoi qui vient là? Du coup, tu te pointes avec j'ai un problème, c'est quand il y a de la contrainte. Or, tu es en train de mettre à jour. Verbaliser, le dire. Et donc, ton problème ne serait pas que tu. C'est pas la contrainte, c'est de ne pas le dire. Ça fait quoi? Ouais. Tu sens un peu. Ça vient là? Ouais, c'est clair. C'est juste énorme. C'est clair. Voilà le problème. Je ne verbalise pas. Et t'as problème, tout le tralala. Ça va? Vous le. Génial. Vous voyez, c'est on est juste serré là. Ça va? Ça te parle? Ah oui, en plus, je le sais. Hein. Ok. Alors, comment on l'écrit? Je ne verbalise pas, ou je ne sais pas verbaliser, ou j'ai peur de verbaliser après? Comment tu mets je, ou comment tu le mets? Alors, c'est je ne verbalise pas, clairement. Je ne verbalise pas. Pas ou pas facilement? Oui. Ok. Ça va? Oui. Mais ta problème, c'est tout ce que ton. Tout le tralala. Tout le tralala. Mm-hmm. Donc. Je me sens contrainte. Ça va? Oui. C'est incroyable. Oui. Hein, je me sens contrainte. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à décoder la microtrasésie de je ne verbalise pas. Parce que tu as plutôt. Tu n'es pas spécialement paralysé de la bouche, toi. Non. Tu ramènes ta fraise relativement facilement. Et là. Comment tu fais? Donc là, on est sur le comment. Hop, on passe à la partie décodage de la micro-stratégie de je ne verbalise pas. Ce qui est beaucoup plus intelligent que de chercher à décoder la conséquence qu'elle se faisait. Vous voyez la différence entre problème et ta problème, là, hein? Ok. Comment fais-tu? Tu es dans la voiture avec lui. C'était au mois de mars, là? Oui. Ok, tu peux revenir. Il est quelle heure à peu près? Oui. Alors, quand je dis il est quelle heure? Je lui demande de parler au présent. Je voudrais qu'elle soit dans le moment là où, juste avant, quel moment? Il est 11h. Du matin? À peu près. Oui. Ok. Oui. Et là, tu te sens vraiment. T'as pas envie? Non. Ou... Non, okay. Je dis rien. Et bah oui. Bah oui. Stratégie. Ça, c'est. C'est une méga macro stratégie. Ok. Ouais. Et tu dis rien? Je deviens hermétique, je deviens inaccessible. Et c'est quoi, bougon? Oui, très laconique, pas souriante. Mm-hmm.
Comme ça, là ? Assez rigide dans la posture. Tu sais bien le faire. OK. D'accord. Et puisque maintenant, tu sais que ton problème, c'est ceci, qu'est-ce que tu aimerais ? Alors là, c'est vachement facile. Une fois que j'ai le problème, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut à la place. Pouvoir verbaliser. Pouvoir verbaliser. Et j'adore que tu mettes ce mot-là. J'adore. C'est un cas d'école. Hein. Peut-être que... Tu nous as tous les deux, là ? C'est pas possible ? Il faudrait qu'elle se rapproche. Théo, tu serais OK pour être sur l'espace de la caméra ? Comme ça... Je peux m'asseoir ? Non, ça, c'est ma chaise. Je prends la mienne ? Oui. Et donc, là, on a ici, dans le réseau, dans le poisson. Donc là, je vais enlever mon dessin minable parce que maintenant, on a vraiment un truc super clair. D'accord ? On a un petit poisson, là. Hop, avec ici. Et là, l'état désiré. ED. Et là, le P. Et donc, ça, je ne verbalise pas, c'est le problème. Je me sens contrainte, c'est l'état problème, OK ? État, c'est pas très bien écrit. Hein. Et moi, je te demande, qu'est-ce que tu veux à la place ? Et toi, j'ai dit pouvoir verbaliser. Et toi, tu as dit pouvoir verbaliser. Oui. Alors ça, c'est super, parce qu'ici, elle dit pouvoir verbaliser. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce mot-là, dans le pouvoir verbaliser ? Il y a un mot qui m'intéresse plus que l'autre. Le pouvoir. Oui. Oui. Parce que là, elle parle de la capacité à verbaliser. Et elle a, son problème est à un niveau logique comportement. Verbaliser, c'est blablabla. Et elle, ce qu'elle veut, c'est la capacité, donc le pouvoir, de verbaliser. Elle ne veut pas verbaliser. Elle veut l'autorisation ou elle veut je ne sais quoi. Donc, je ne sais pas si c'est une autorisation, mais en tout cas, il y a ça. Quoi. C'est ça, hein ? C'est une histoire d'autorisation ? Enfin, oui, une grosse capacité ou de compétence. C'est parce ça. Parce que ça me reste là. Les mots, je les aurais. Ce n'est pas verbalisé. On est bien d'accord. Oui. OK. Donc, toi, dans les niveaux logiques, là, ton problème se situe à la verbalisation, mais ce que tu veux comme solution, c'est être capable de pouvoir verbaliser. Et du coup, au jour où tu es capable, tu seras verbalisé, à moins d'être paralysé sur la bouche, ce qui serait peu probable. Voilà, donc du coup, moi j'aimerais bien savoir comment tu fais pour ne pas être capable de verbaliser. Là, il est 11h du matin, qu'est-ce qui se passe ? Comment je devrais faire si moi je devais avoir le même problème que toi ? Ah, mais tu vois, c'est en voiture, on est assis l'un à côté de l'autre, et puis. Comme ça. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller au snowboard. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Gabriel, pour pas y arriver à le dire ? Si je pose des questions, tu me réponds pas. Non, mais d'accord, mais je t'ai pas demandé ce que tu faisais, je t'ai demandé qu'est-ce que je dois faire dans ma tête pour. Tout fermer. Comment ? De devenir hermétique, inaccessible. Ok, comment, qu'est-ce qui, au nom de quoi je ferais ça ? Du sentiment de contrainte, de la contrainte, de ce qui m'est imposé. C'est rigolo parce qu'elle est repartie dans le truc. Elle est repartie dans la structure de surface. Moi, je suis resté un peu en profondeur. Quand je te demande comment est-ce qu'il faut que je fasse. C'est que j'ai de la peine à te répondre parce que c'est un état d'être. C'est pas comment je fais, c'est comment je suis à ce moment-là. Oh. Parce que justement, je fais rien. Oh, la bonne histoire que tu te racontes. Tu penses que c'est ton identité ? Non, pas mon identité. C'est mon état d'être à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui me définit en tant que personne. Ça marche, OK. Et pourtant, tu le dis comme c'est pas comme je. C'est, tu dis c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je suis. C'est quoi la différence entre les deux ? Oui. C'est que justement sur le moment, je ne fais rien.
Donc je ne suis pas présente, je suis absente, à l'instant présent. Oui, je ne fais rien, pas de comportement. Dans la case comportement, c'est absence de comportement. Oui. Pas, tu n'as pas l'air trop d'accord, là, l'épaule. Bon. Ok. Alors, en fait ce que ça a sorti tout à l'heure, c'est que si moi, je devais faire comme toi, comment je devrais m'y prendre ? J'ai pas envie d'aller au snowboard. Ma bouche n'est pas paralysée. Mais tu ne dis rien. Mais comment faudrait que je fasse alors que j'ai pas envie d'y aller ? Moi, je te jure, je le dirais. Hein. Moi, je dirais, mon chéri d'amour... J'ai pas envie. Alors, enseigne-moi comment je devrais faire pour fermer ma bouche alors que j'ai envie de l'ouvrir. Okay. Ouais. En fait, c'est là que ça coince. Oui, c'est vas-y. Pas ici. Bien sûr que c'est là. C'est là que ça coince. Allez, reste là, reste ouais. Là, reste là. Voilà, vas-y. Et là, je clone. Hein. Voilà, j'ai de la peur. Ok, c'est un oui qui veut dire non, ça. Elle est gentille. C'est pas le plus. C'est pas ce qui émerge le plus, la Ok, peur. C'est quoi qui vient ? C'est quoi ça ? C'est une forme d'impuissance. C'est de l'impuissance. Mais pas vis-à-vis de moi. De l'impuissance, le fait de ne pas pouvoir le dire. Si D'accord, donc en surface, il y a de l'impuissance. J'ai de la conscience que je ne suis pas puissante. C'est ça qui te vient ? Oui, oui. Ok. Bon. Donc impuissance, on est bien dans le contraire de pouvoir. Hein. Mm-hmm. T'es complètement dans le contraire de ton état désiré. Hein. Tu t'en rends compte ? Oui. Ah oui, à ce moment-là, oui. Ouais. Et t'es spécialiste de ça, je suppose ? Relativement, oui. Parce que c'est pas... Il y a des fois, tu l'ouvres. Hein. Ça arrive pas tous les week-ends, quand même. Non. Donc là, vous voyez comment... Si vous ouvrez votre cerveau, vous sentez que votre cerveau, il n'est pas un cerveau neutre, mais que c'est un cerveau qui analyse, qui ressent, qui voit des images. Eh bien, l'idée, c'est ça. C'est de vous servir de votre cerveau quand vous êtes ici. C'est-à-dire pas pour être avec elle et qu'elle sente qu'il y a des idées qui viennent. Après, elle dit oui, elle dit non. Donc là, j'ai pas fini le boulot de clonage de la micro-stratégie, mais je pense que vous avez un peu compris, enfin, même probablement pas trop mal, qu'est-ce que c'était que le clonage.